En France, une personne sur cinq serait touchée par un excès de cholestérol dans le sang. Il est donc très important de contrôler, maîtriser son alimentation. Le docteur... Pardon, Jean-Michel Cohen sort une série de livres sur Je mange quoi quand, et on va les traiter dans cette émission. Une fois par semaine, on va vous faire Je mange quoi quand quand je suis enceinte, quand je fais du sport, quand j'ai du diabète. Et aujourd'hui, on va vous faire Je mange quoi quand j'ai du cholestérol. D'abord, on rappelle ce que c'est le cholestérol, docteur. Oui, le, seul, le cholestérol, ça fait partie de la catégorie des graisses. On considère aujourd'hui que c'est un ennemi un peu à tort. Il n'en faut pas trop, mais en fait, il en faut parce que c'est le constituant fondamental de certaines cellules, en particulier les cellules du cerveau, et également le constituant de certaines hormones, en particulier les hormones sexuelles. Donc ça veut dire qu'il en faut du cholestérol. Mais cette graisse, on s'est rendu compte que selon la protéine qu'il apporte, elle peut devenir très très mauvaise et boucher vos artères, ou alors elle n'est pas trop mauvaise, c'est toute la distinction qu'on doit faire, et elle ne se déposera pas sur, sur vos artères. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on surveille de très près aujourd'hui. Et quand on bouche les artères, ça veut dire accident cardiovasculaire, accident cardiovasculaire cérébral, donc quand même des vrais ennuis. Donc trop de cholestérol, le risque c'est ça, c'est des artères qui se bouchent. Oui, alors même si on entend... De temps en temps, des gens développaient des théories un peu particulières. Il faut répéter qu'on a de nombreuses études qui ont montré des vraies études sérieuses, là euh, qui ont vraiment montré que le cholestérol en excès, surtout quand il s'agissait de mauvais cholestérol, réduisait l'espérance de vie. Donc on est obligé de faire attention à son cholestérol. C'est quoi le chiffre inquiétant alors le chiffre inquiétant, c'est assez bizarrement les gens, les gens regardent toujours le chiffre du cholestérol total, ben or oui, les nutritionnistes regardent le chiffre du mauvais cholestérol par rapport au chiffre du bon cholestérol. Ah. Quand on dit mauvais cholestérol, c'est pas le cholestérol en lui-même qui est mauvais, c'est qu'il est porté par des protéines dans le sang qui ont la particularité de les accrocher aux artères. Alors que le bon cholestérol fait exactement l'inverse, c'est-à-dire que la protéine détache le cholestérol des artères. Donc nous, ce qu'on regarde, c'est pas le chiffre global de cholestérol. Quelqu'un peut avoir 2,6 grammes de cholestérol. Mais avoir un HDL, c'est-à-dire le bon cholestérol très élevé, dans ces cas-là, ce n'est pas très inquiétant. Et même, certains prétendent que ça pourrait protéger de certaines maladies. Et le mauvais, il s'écrit comment sur nos LDL. examens Alors, LDL. On, on le retient on dit aux étudiants. LDL, ça commence par un L, c'est les. Et HDL, ça commence par un H, je ne sais pas ce que c'est. Mais L, c'est les. <laughs> D'accord, c'est le LDL qu'il faut regarder. C'est le et LDL ch... qu'il faut regarder, et voilà. le chiffre inquiétant, c'est quand il est au-dessus de combien C'est quand le chiffre de LDL dépasse les 1,6 voilà. g. Alors, si vous n'avez pas de facteur de risque. Maintenant, si vous avez d'autres facteurs de risque, Tabac ou surpoids, on essaye qu'il ne dépasse pas 1,3 grammes. Alors, je, on va dans un instant voir ce qu'on mange quand on a du cholestérol. On se dit qu'a priori, il doit falloir manger sans graisse, ça, ça, ça paraît logique. Auparavant, je voudrais qu'on prenne un premier appel. Euh, C'est Pierre qui a une question à nous poser, qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Pierre. Oui, bonjour à tous. Euh, bienvenue sur Europe Vous, vous avez entendu parler d'un régime pour lutter contre le cholestérol euh, Voilà. Donc, si vous voulez, j'ai entendu dire que euh, prendre une cuillère euh, à soupe de vinaigre de, de cidre tous les matins euh, avant ou après le petit déjeuner, euh, enfin, moi je pense qu'il vaut mieux le prendre après le petit déjeuner, c'était favorable à long terme. Alors, je dis bien à long terme. À long terme. Une cuillère à soupe de vinaigre de cidre tous les matins dans un peu d'eau. Dans, dans un demi verre d'eau. Docteur voilà. Cohen. Alors on a pensé que le vinaigre de cidre, c'est une petite mesure. Elle est insuffisante pour traiter le cholestérol. Il y en a deux à l'heure actuelle qui fonctionnent ou qui circulent sur le web. Il y a celle-là et la levure de riz rouge. On a considéré que le vinaigre de cidre diminuait l'absorption des aliments d'une façon globale et donc que ça pouvait aider à diminuer le cholestérol. Pour la levure de riz rouge, donc c'est pour... bien. Vous voulez que c'est bien C'est une toute petite mesure parce que ça sera très peu efficace. Ah ça bon va marcher très légèrement et donc on n'est pas certain du tout que ça soit efficace. La deuxième mesure. La levure de riz rouge, oui, c'est vrai que ça marche. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui prennent ça pour éviter les statines, sans savoir. Les statines, c'est le médicament qui est contesté pour le cholestérol, sans savoir que la levure de riz rouge contient des statines. Sauf qu'on est incapable de la doser dans la levure de riz rouge. Ça va dans un pourcentage de 1 à 20. Donc, ils prennent sans le savoir des statines. Donc, Pierre, si j'ai bien compris ce que nous dit le docteur Cohen, vous pouvez continuer. Vous pouvez le faire, mais ça sera y a pas, pas de efficace. risque. Mais l'effet voilà. ne sera, sera, très... sera pas énorme. Et le, la levure de, de riz rouge, je n'ai pas bien compris. Il faut la prendre ou pas Alors, non, moi je ne vous conseille pas de la prendre simplement parce qu'à l'intérieur de la levure de riz rouge, vous trouvez des statines, mais vous êtes incapable d'en connaître la dose. Donc autant prendre le médicament à ce moment-là. D'accord. Alors, on parle de, de l'alimentation maintenant. Si on n'a pas ces petits trucs et ouais. ces petites astuces, qu'est-ce qu'il faut éviter D'abord, en priorité. Alors, d'abord, une chose qu'il faut savoir, c'est que seules les graisses animales contiennent du cholestérol. Il y a deux façons d'avoir du cholestérol dans le sang. La première façon, c'est parce que vous en mangez trop, et vous allez trouver le cholestérol dans tous les aliments riches en cholestérol, en particulier dans les abats, dans la charcuterie et dans les matières grasses d'origine animale. Pendant longtemps, on a pris du sein on prenait du porc, etc. Toutes les matières grasses d'origine animale vont contenir du cholestérol. Il ne faut pas se braquer simplement sur les œufs. À l'inverse, les matières grasses d'origine végétale ne contiennent pas de cholestérol. Je parle par exemple de toutes les huiles, colza, tournesol, oui. olives, etc. Et celles-là, vous pouvez en consommer. Ça, c'est la première zone. Ça veut dire les aliments qui contiennent spécifiquement trop de cholestérol. Je n'ai pas cité le fromage, mais il en contient également. Ou les produits laitiers qui ne sont pas à 0% de matières grasses. Par contre, quand vous prenez les matières grasses végétales, vous risquez autre chose. C'est-à-dire qu'un excès de consommation de graisse, d'une façon générale, peut conduire à une augmentation également du cholestérol. Autre Autrement dit, vous êtes obligé à la fois de contrôler les matières grasses que vous consommez, même d'origine végétale, et en même temps d'éliminer le plus possible, le plus possible, je répète bien ça parce que l'élimination totale est quasi impossible, les matières grasses d'origine animale et en particulier les matières grasses comme le beurre, la crème, euh, la charcuterie, le fromage euh, et les viandes grasses. Est-ce qu'il y a des aliments à privilégier en revanche Alors oui, on essaye de privilégier vraiment les fibres parce qu'elles se comportent à ce moment-là comme en, en quelque sorte des absorbeurs de cholestérol. Elles vont entourer le cholestérol. Elles vont faciliter la digestion et donc elles limitent l'absorption du cholestérol depuis l'intestin vers le sang. Donc c'est vrai qu'avoir une consommation riche en fibres aide à diminuer le cholestérol. Et un petit truc que je dis malgré les recommandations, c'est qu'on a remarqué également que la consommation d'un verre de vin ou d'un verre de produits alcoolisés faisait monter le bon cholestérol. Donc ça signifie que de temps en temps, même si c'est critiqué, la consommation d'une légère dose d'alcool est positive pour le cholestérol. Les fruits de mer alors, les fruits de mer, ça dépend des fruits de mer que vous consommez et de la façon que vous avez de les, de les consommer. C'est-à-dire que la chair des fruits de mer n'en contient pas. Mais par contre, vous trouvez du cholestérol dans la tête des crustacés, vous en trouvez dans les poissons et vous en trouvez un peu plus dans les huîtres que dans d'autres fruits de mer. Donc, ça signifie que chez des gens qui ont du cholestérol, on leur demande de ne pas manger la tête des crustacés, donc les crevettes, il y a des gens qui adorent faire ça. On leur demande de ne pas consommer des œufs de poisson et on leur demande également, alors en particulier, par exemple, la tarama qui est faite avec des œufs de poisson, mais en oh, plus de la bon. Mais je sais, mais à alors vous, hein, vous en mangez pas une. Hein. C'est vraiment pas une. Hein. C'est les burgers végétariens plein de sel. Ah oui, bah oui. Et en avant. Et euh, également, on leur demande de faire attention à la consommation d'huîtres, mais enfin, ça reste assez modéré pour les œufs. Isabelle même Il y a un truc que je comprends pas. Moi, c'est les œufs. Pendant des années, on ouais. nous a dit surtout ne, ne mangez Exactement. pas trop d'œufs parce ah ouais. que du coup, ça fait bah monter le cholestérol. Dites, ils vous disent pour manger Oui, non, mais il maintenant ils disent au qu contraire qu que oui. les oeufs, œufs, c'est pas mauvais. Je vous explique parce que le paradoxe, il a été le suivant. On s'est rendu compte que les gens qui mangeaient beaucoup d'œufs en fait, étaient des gens qui mangeaient moins d'autres choses. Et dans la réalité, même s'ils consommaient des produits qui avaient du cholestérol, l'œuf a un pouvoir tellement rassasiant que ça limitait la consommation d'autres produits. C'est pour ça que j'ai bien placé la, la question au niveau de l'arbitrage. C'est-à-dire vous, vous ne devez pas manger trop de matière grasse car vous êtes susceptible, à partir de n'importe quelle matière grasse, de refabriquer trop de cholestérol et vous devez limiter les aliments qui contiennent du cholestérol. Et la troisième chose, c'est le surpoids, bien sûr. Julie. Mais tous les anglo-saxons qui mangent tous les matins deux œufs au petit-déjeuner, Hein, tous les Anglais, les Américains, il y a toujours ça. Hein. Et dans les, y compris dans les buffets des hôtels internationaux, les œufs au petit déjeuner. Eh ben, ils ont tous du cholestérol. Ça alors les, les équilibres alimentaires, ils mangent des œufs, ils mangent du bacon en plus. Vous auriez pu rajouter et même des saucisses grillées. Sauf que le reste des repas, il est moins chargé en matière grasse que nous. Ouais. Et quand vous comparez, par exemple, euh, les, les Anglais, ils mangent beaucoup moins de sauces grasses que nous. Ils mangent des sauces, mais elles sont pas du tout la même composition. Ils mangent des aliments, ils mangent moins de fromage que nous. Et donc il y a une espèce de compensation mmh. qui se fait. C'est pour ah. ça que l'œuf en lui-même n'est pas à stigmatiser totalement. Le docteur Stéphane Clergé. Oui, vous, vous l'avez pointé, mais il y a quand même des gens qui ont une hypercholestérolémie, alors qu'ils mangent tout à fait normalement, les hypercholestérolémies familiales. Euh, dans ce cas-là, est-ce qu'il faut qu'ils fassent malgré tout un régime anticholestérol ou ça sert à rien alors c'est euh, j'espérais bien que quelqu'un allait poser cette question parce que on, lui a, justement... on lui a tous pensé mais on s'est dit il va la poser lui ça il va se rendre intéressant comme ça <laughs> Ça s'appelle les hypercholestérolémies familiales c'est c'est des gens qui ont le pouvoir de fabriquer du cholestérol mais c'est un, un un facteur génétique Chez ces gens-là c'est très compliqué parce que vous vous rendez compte que quand vous leur faites faire des régimes quand vous leur faites faire des régimes sans cholestérol les résultats sont très très minces et finalement vous réussissez à les affamer Donc chez ces personnes-là Personnellement, je préfère passer directement aux médicaments pour leur permettre d'avoir une vie agréable. Mais c'est une question, effectivement, euh, qui nous pose un vrai problème dans la mesure où le régime en lui-même est trop frustrant et la prise de médicaments euh, contracte les gens à l'heure actuelle. Alors, quelques idées reçues sur le cholestérol. J'ai du cholestérol, je dois manger de la margarine. Alors, c'est faux. Première raison, celle que je vous ai expliquais, si vous mangez trop de matières grasses, parce que la margarine, c'est une émulsion d'huile dans de l'eau, vous mangez trop de matières grasses, vous finirez par fabriquer du cholestérol. Et la deuxième, le deuxième piège, c'est que vous êtes obligé de regarder la composition, parce que très souvent, dans les margarines à bas prix, on trouve des matières grasses animales. J'ai du cholestérol et je dois manger des flocons d'avoine. Alors, les flocons d'avoine, l'avoine fait partie des céréales qui sont les plus riches en fibres. Donc, comme on recommande de manger des fibres, c'est vrai que c'est intéressant de manger euh, des, des flocons d'avoine, par exemple au petit déjeuner, à condition de vérifier que vous ne les preniez pas avec du lait entier. Ouais. Et du... Et une tartine. J'ai du cholestérol et je peux manger des œufs de poisson Ben Non, je vous ai répondu tout à l'heure. Les œufs de poisson sont quand même très riches en cholestérol. J'ai du cholestérol et je peux manger de l'huile d'olive. Alors, curieusement. Enfin, assaisonner avec de l'huile d'olive. Voilà, l'huile d'olive est une très très bonne huile, mais curieusement, ce n'est pas du tout la meilleure des huiles. Elle a plusieurs déficits, un déficit en vitamine E et le rapport entre différents acides gras, oméga 3 et oméga 6, qui fait que l'huile de colza est bien meilleure. J'ai du cholestérol et je bois du café qui réduit le cholestérol. Alors, ça, ça circule sur le net sans arrêt. On a dit que le café réduisait le cholestérol. Mmh. En réalité, quand vous regardez bien euh, les études qui ont été présentées, ce sont essentiellement des études cliniques marketing. Elles n'ont rien à voir avec des études la meilleure preuve, c'est qu'en fait, quand vous prenez du décaféiné, vous avez exactement les mêmes modifications qu'avec le café, donc il n'y a ah, pas de relation. J'ai du cholestérol et je lis le livre de Jean-Michel Cohen. Alors, euh, si <laughs> vous le voulez, j'ai peur que vous le mangiez celui-là aussi. Allez, le livre s'appelle ⁇ Je mange quoi quand j'ai du cholestérol ?⁇ Il paraît chez First Edition. Merci beaucoup, docteur Jean-Michel Cohen. <music>